C'est parti les amis. On se retrouve cette fois pour finir le jeu Super Mario Galaxy 2. Ceci est ma 7e vidéo découverte. 7, qui est un bon nombre d'ailleurs. Enfin, je l'apprécie pas particulièrement, mais c'est un nombre assez mythique, les 7 Chaos Emeralds, les 7 Dragon Ball. Et bien là, ce sera les 7 vidéos découvertes de Kishnifu. Voilà. Et ben ça y est, on arrive à la fin. Bon, je doute que ce soit la toute fin du jeu, parce qu'après, j'ai déjà entendu parler des étoiles vertes et tout ça. Mais le fait est que la quête, si on peut appeler ça comme ça, principale, s'achèvera ici, dans ce niveau-là, à la tête du Bowser. Donc j'espère que vous êtes prêts. Moi, j'ai fait le plein de vies, vous voyez, 30 vies. Pour une fois, elles vont peut-être pas me servir à rien. J'ai lu quelque part que c'était un boss assez dur ou chiant, je ne sais pas. C'était marqué un boss, je sais même plus. Si, c'était marqué le pire boss. Donc, est-ce que c'est le pire boss en termes de nullité ou le pire boss en termes de difficulté? Aha. Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Hein. Donc, j'ai fait attention de bien récupérer à peu près... Bah, de toute manière, toutes les comètes farceuses, je les ai faites. Tous les mondes annexes, je les ai faits. Bon, je pense que à la fin de celui-là, d'autres trucs vont se débloquer. Notamment un niveau qui n'a pas la couronne encore. Parce que dès qu'on a terminé un niveau à 100%, il y a la couronne. Et là, en l'occurrence, y en a un seul où il n'y en a pas, donc je pense que ce sera après celui-ci. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est bien sûr de finir le jeu et donc de faire ce niveau-là. Je ne connais absolument pas la fin, donc je ne sais pas s'il y a un autre niveau après, s'il y a deux niveaux, si c'est long, si c'est court, si c'est difficile. Je sais rien du tout. De toute manière, c'est une vidéo découverte, donc c'est l'objectif même du truc, c'est que je ne sache rien. Donc ça, c'est normal. Dernière petite chose que j'avais à dire et que je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave, je voulais dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. Cerveau, réponds-moi. Dis-moi que tu es toujours connecté, s'il te plaît. Et dis-moi que tu peux retrouver ce que j'avais à dire. Mais sinon, si je retrouve pas, c'est pas grave. Hein. Ah si, si, ça y est. Ça y est, il a décidé de se reconnecter, là. Ouais, en fait, c'est juste que, voilà, normalement, le temps que vous voyez, là, dans la vidéo, normalement, est énormément... Enfin, énormément, j'en sais rien, peut-être que c'est court, mais normalement, il est plus long que ce que vous avez eu l'habitude de voir dans les autres vidéos découvertes de Super Mario Galaxy 2. Parce que là, c'est la fin, et donc c'est le plus important, et donc ça va être long, je pense. Et ça dépend si je me croûte comme une merde, enfin, on va voir ça. On souffle un bon coup avant d'y aller. Alors, je suis assez... je suis assez anxieux parce que le premier Super Mario Galaxy était simple, on va dire. Alors que celui-ci m'a démontré qu'il était un peu plus ardu que le précédent. Donc j'ai de quoi méfier, je pense. Hein. Allez, je vais pas faire attendre plus longtemps que ça. J'appuie. Rejoindre. Cette galaxie. Allez, l'ultime confrontation. Allez, découpe un marteau. Allez, on se concentre là. Ça va être... Showtime! Ah, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Tu es si courageux, Mario! Tu te bats pour sauver ta chère princesse! Oui, comme d'habitude. Fais bien attention et accroche-toi jusqu'au bout! T'en fais pas, petite étoile. Allez, c'est parti.
On m'a déroulé le tapis vert, c'est pas beau ça. Non, je viens pas vers toi d'abord. Parce que je fouille un peu moi. Hein. J'aime bien fouiller. Oui, eh ben, ça sert hein, de fouiller de toute manière. Hein. Bon. Alors, on va essayer de pas faire les... On va essayer de pas faire le débile. Voilà. Hop. Donne-leur une bonne leçon. T'en fais pas. Je m'en charge. Allez, c'est parti. Putain, mais ils enchaînent ces enfoirés. Ah. Oh. Oh putain. Alors, apparemment, en faisant une attaque tournante, on peut détruire les marteaux. Parce que là, franchement, si j'aurais pas pu, je me serais fait toucher. Hein. Voilà, comme bah, encore une fois là. Bon, bah c'est bien parce que... Ouh, tiens, c'est quoi ça? Oh, ah, je vais crever là. Bon, c'est parti. Ah, c'est là-bas qu'il faut aller. Bon, on va éviter d'aller au-dessus du... Bon, là, je crois que je peux donner un à-coup, hein. Si je veux aller plus haut. Hop. Ouh, putain. Je sais pas comment j'ai fait pour esquiver ça. Allez, on se lâche. Bim, récupère la pièce. Alors ça, ouais, c'est pour creuser dans la terre. Oh, je sens qu'ils vont nous mettre tous les items. Oh, ça se sent. Ils vont certainement nous mettre tous les items, vu que c'est le dernier niveau. Bon, je suppose que j'en ai plus besoin, si. Bah si, 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 et s'il y a encore. Donc bon, bah je vais essayer d'y aller comme je peux. C'est parti. Vite, 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 vite. Voilà, on se décale. Quoi, il faut que j'essaie de sauter là-bas? Ah non, 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 non. Je vois un truc là. Parce qu'avec ça, pas trop possible. Voilà. Oh là là. Ok. Ouf. Oh, je suis un dingue. Bon, pour le moment, ça va. On va dire que c'est assez tranquille. Attendez, mais... Et comment... Comment ils veulent que je fasse là? Je dois aller là-bas? What? Ah si, c'est bon. J'ai vu une petite ouverture. Oh là là. Voilà. Vite, faut que je me réfugie là. Ah, mais il y a carrément une plaque. Oh là, c'est bon. Allez. Ah oui, mais la plaque, là, je peux creuser ou pas? Bah non, je vais aller dans la lave, je suis con. Je fais quoi? J'essaye de creuser? Bah j'essaye, allez. Oh putain. C'était pour une vie. Bah j'ai bien fait, on va dire. Allez, vite, 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 vite. Oh putain. Oh, 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 oh. Voilà. Allez, on change. Et maintenant, c'est des nuages, c'est ça? Je crois que j'en ai vu, hein. Bon, non, pas pour le moment. Un petit checkpoint qui fait du bien. Voilà. Il me semble qu'il y a la pièce, une pièce de d'habitude qu'il faut toujours récupérer là. Les fameuses médailles comètes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vais essayer de la trouver. Donc, on va fouiller. On va bien se laisser tourner, souvent c'est comme ça. Bon là apparemment c'est carrément en 2D, enfin je veux dire... Oh là là. Bon bah non alors. Ouais, on peut pas aller ni d'avant ni en arrière, hein, donc... Musique pas mal épique encore une fois. Voilà, j'espère... Non, c'est bon, il n'y avait rien en dessous. Voilà, nuage, c'est bien ce qui me semblait. J'ai déjà les 6 fragments, donc ça ne me sert à rien. Putain. Voilà. Oh, oh, oh. J'ai vraiment sauté au dernier moment, là. Hop. Oh non, je suis trop con d'avoir fait ça. Je me suis dit, bah, ils vont peut-être être gentils, mais non. En même temps. Oh putain, il y a un petit peu de vent. C'est le dernier niveau, donc... Merde. Oh putain, mais je suis trop con. Ça j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà. Hop là. Allez. J'ai cru que c'était déjà l'étoile finale, mais de toute manière, c'est même pas une étoile normale. Hein. C'est une super étoile.
Tu y es presque. Sauve ta princesse et reviens sain et sauf. Oui, je tâcherai. J'ai foi en toi. Tu as bien raison, ma petite étoile. Je vais tout faire pour vous sauver. Alors, on va éteindre ça juste pour avoir des pièces. Ça sert à rien, hein, mais bon. Surtout qu'en plus, si on perd, on perd toutes les pièces. Non, tu feras pas ça. Putain, elle l'a fait, hein. Et moi, j'y vais dessus, hein. Comme un débile. Oh, une pièce, une pièce, une pièce. Voilà. Oh, 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 ça tank, ça. Je m'y attendais pas. D'abord, aller voir ce qu'il y a ici. Oh, y'a Yoshi. Yoshi. Allez. Hop. Oh, putain. Non, non, non. Mais pourquoi t'as... Yoshi, je vais taper. Il a pas fait... comment ça s'appelle? Ouais, oh, c'est une sorte de double saut. Non, bah alors. Si pour le dernier... Merde. Si pour... Ah, attendez, j'entends plus de son, là. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais aller vérifier les fils. Hop là, voilà, j'ai coupé le temps que... Ben, le temps que je n'avais plus de son. Parce que, d'un coup, voilà, il a... Il a décidé qu'il avait... qu'il voulait plus... Ben, qu'il voulait plus marcher, donc voilà. Ben, en même temps, j'ai remarqué que c'était la 42e vidéo que je fais depuis le début. Donc il fallait bien qu'il y ait une petite manifestation de l'univers, hein, vous êtes d'accord. Bon, et ben allez, c'est reparti, on va continuer après cette petite mésaventure de ma part, voilà. Enfin, de ma part, ouais, c'est pas de ma faute. C'est le logiciel, d'un coup, comme ça, il voulait plus... bah, je sais pas, en fait, je sais même pas pourquoi, hein. Bon, là, voilà, j'ai pas refait la même erreur que tout à l'heure. Alors là, il y a deux chemins. J'ai envie d'abord d'aller à celui-ci. J'aurais pas dû. Oh là 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 là. Oh punaise. Oh, je suis mort. Eh bah dis donc. Eh, pourtant c'est facile ça, hein. C'est très 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 facile. Et je crève à un truc comme ça. Je pense que je suis mal barré pour le dernier boss. Hein. Je suis carrément mal barré là. Hein. Bon allez, c'est reparti là, on y va. On s'en fout, on fonce. Quoi, c'est pour rien? Ah mais d'accord, d'accord, non c'est bon, j'ai compris. C'était juste pour une vie de l'autre côté. Mais punaise! Reviens là toi. Vite, vite, Yoshi. Je vais me faire tuer. Oh là 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 là. Oh, oh punaise, oh punaise. Allez, faut juste... Non, je voulais lui sauter dessus pour avoir une pièce. Bon, c'est pas grave. Bon, ok. Alors, c'est génial. Je vais pouvoir me faire cramer par une cascade de lave alors que je n'ai plus qu'un seul fragment de vie. Bon, bah c'est parti. Oh, il y a une pièce. Oui. Esquive, esquive. Et c'est bon. Oh. Bon, je me concentre là parce que depuis le début, c'est pas génial. On reprend ça. Alors là, faut que j'aille où, là? Ok, j'avais deux chemins possibles. Ok, parfait, ça contourne. Il me suffit de sauter. Oh, putain. Oh là là. Oh, ce fourbe! Non! Oh, une pièce! Vite! Oui! Oh là 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 là! Mais j'ai plus Yoshi, moi, comment? Ah, d'accord, mais... Ok, je suis pas obligé. Bah là, j'ai bien l'impression que si. Merde, ça continue! Oh, putain, non! Allez, allez! Oh. Alors, soit... C'est censé être ça le niveau de dingue. Soit je suis qu'au début du niveau et je galère sur des trucs qui sont super simples. Non mais franchement ça me fait chier de jouer comme ça là. Je crois que j'ai bien fait de me prendre un...
une réserve de vie, hein, parce que... Ouais, voilà, là-bas en face, c'était juste pour une vie, d'accord. Ok, bon. On va essayer de jouer mieux que ça, quand même. Mais putain, mais non! Mais qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce qui m'a eu? J'ai pas compris. Allez. Oh. Bon, c'est pas... Allez, go, go, go! J'ai perdu un peu de temps. Allez, allez, allez. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait eu? Ah, c'est pas facile. Mais en fait, ça paraît... Merde. Oh non! Oh punaise de chance! Oh là non! Non! Oh et en plus je vois un truc là. Je vois la médaille comète là. Il m'aurait fallu Yoshi. Oh punaise! Bon bah c'est pas grave hein. Je la prendrai la prochaine fois que je ferai le niveau hein. Oh là là! Ouais, c'est quand même pas mal compliqué. En fait, ça paraît simple, mais on se fait avoir par des petits trucs. Soit ça a été magnifiquement prévu par les développeurs, soit bah, je suis nul et je me fais avoir par des petits trucs de merde, quoi. Donc, on va bien voir. Ah, bah si, là, c'est... Si, en fait... ouais, moi, je croyais que le niveau allait être un peu plus long, mais finalement, non. Là, c'est la porte du boss final, si je me trompe pas, hein. On a toujours ça avant un boss. Bon, je suppose qu'il n'aura pas qu'une seule forme. Peut-être, je sais pas. Ou alors ce sera une bonne grosse forme. Oh. Mais moi, en tout cas, je suis pas en forme. Bon, excusez-moi du jeu de mots. Oh là là. Bon, allez. On va détruire le dernier. Et j'ai qu'une chose à dire. C'est parti. For the suicide. Hop. Punaise. Allez. Ah ouais, il est très gros quand même. Hein. Bon, alors, combat classique. On en a déjà eu deux comme ça. Là, c'est le troisième. Bon, je suppose qu'il sera un peu plus dur. Déjà ça, voilà. Normalement, c'était une onde circulaire. Et là, apparemment, il nous... Le fait qu'il fasse un coup de poing... Ah, merde, ah, d'accord, les traînées font mal aussi. Bon, d'accord. Alors là, par contre... Oh ! Voilà, c'était ça que je parlais. Alors là, il faut que je monte... Sur ça là. Et hop. Voilà. Bon maintenant faut que je récupère peut-être des pièces. Allez. Ok. Donc ça, ça a l'air d'aller. Tant qu'il enchaîne pas ses coups de poing, ça va, ça reste. Merde, mais j'oublie à chaque fois de sauter. Ça reste facile à esquiver. Hop. Un coup de cul. Bon là c'est pas fini. Sinon, ça se saurait. Il y a au moins un troisième coup à chaque fois. Et ça m'étonnerait que ce soit que ça. Hein. Allez, la musique s'accélère un peu. Elle devient plus épique. Hop, il éjecte un peu plus de rayons que tout à l'heure. Oh, oh, voilà, j'ai pas oublié de sauter, mais... Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh putain, putain, le feu. Oh, oh c'est chaud. Bon allez, vas-y, fous ton coup de poing, là. Voilà, parfait. Maintenant, coup de cul. Et voilà. Non, c'est pas terminé. T'as pas une autre forme, pas tout de suite. Bon, d'accord. Ah, mais c'est bon, tu renvoies déjà ça. Parfait. Sauf que là, il va faire le feu, je déteste ça. Ouh.
Oh, c'est chaud. Enfin, c'est le cas de le dire. Allez, fous ton coup de poing, là. Voilà. Et achèvement. Ça y est? Ça y est, c'est la dernière étoile, là? Non, pas possible. Non, 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 non. Moi, j'y crois pas. Hein. Perso, j'y crois pas. Non. C'est vrai, c'est ça? J'ai envie de rigoler. Parce que... Non, 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 non. Dites-moi que quand je vais aller la chercher, il va se passer quelque chose. Non. C'est fini? Il n'y a réellement plus rien après? Non, je pense pas, c'est pas possible. Ou alors je la prends et... Attention. Je savais! J'en étais sûr. Oh Mario, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te laisser reprendre ton souffle. Oh tiens, c'est gentil. Ton dernier souffle. Oh bah tiens, c'est pas gentil. Et bah voilà, là, là ça va être un combat épique. Tiens, merde, je le loupe. Mais je suis con. Oh là là, tiens. Voilà. Oh, c'est pas que ça quand même. C'est que ça? Non. Merde, mais aussi, je fais n'importe quoi. Ah oui, d'accord, il se rapproche de moi. Mais je fais n'importe quoi. Oh là 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 là. Bah, dès qu'il va se rapprocher de moi, je vais crever, hein. Mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai, mais... Mais je suis trop nul. Mais, attendez, j'ai l'impression de le faire comme il faut, et au dernier moment, il se décale. Et là, ça rebondit sur lui. Voilà. Bon, peut-être que je prenne un peu plus mon temps de... Essayer de bien, voilà, me mettre au milieu. Ah, d'accord, s'il y a sa carapace, ça... D'accord. Attendez, mais c'est... Mais putain, je fais n'importe quoi. Tiens, dans ta gueule, mange ça. Non, mais c'est pas que ça, quand même. Non, j'y crois pas encore une fois. Ah, mes pouvoirs, mon empire, tout s'effondre. Et mon gâteau galactique, je n'en aurais même pas une toute petite part de rien du tout. Et tu disparais dans le cosmos. Et je suis pas essoufflé là. Je suis pas stressé. Oh, y'a Peach. Elle va te faire un bisou. Elle va t'enlever ta casquette. Elle va te faire un bisou sur le front. Oh là là, c'est mignon. Tiens, c'est comme le 1, non? Il me semble que c'est comme le 1. Non, en fait, j'ai compris. Peach, en fait, c'est une travelo. En fait, c'est Bowser. Il est caché. Hein? C'est ça, hein? T'es pas Peach, en fait. Hein. En fait, c'est toi le monstre final. Hein. Je parie. Hein? Ouais, je vais me méfier de toi. Hein. En plus, là, il y a de l'eau. Ça explique tout. Je sais pas pourquoi, mais ça explique tout. Parce que là, il y a de l'eau. Non? Qu'est-ce qu'il y a autour? Tu me réserves un piège, c'est ça? Je suis en fait dans un monde parallèle. Ce n'est pas l'univers qu'il y a là. À vous! À vous, toi! Mais elle me regarde tellement avec des yeux aussi innocents. Je peux pas douter d'elle. Hein, tu es une gentille Peach. Oh, et puis tu as une jolie voix. Redis-le. Oh, et tu le dis de manière différente. Thank you et thank you. Thank you. Ah non, tu dis toujours pareil. Thank you. Ah non. Mais tu le dis tout le temps. Donc en fait, t'es une putain de robot. C'est ça, hein. En fait, tu vas m'attaquer en surprise dès que je prends l'étoile.
Et si je te rebondis dessus? Ah, t'aimes pas ça, hein? Bon, d'accord. Bon, je crois que je vais arrêter les conneries. Et je vais prendre cette super étoile. Regardez mon compteur de vie. 28. Écoutez-moi, écoutez ma voix. Est-ce que je suis... Je suis trop soufflé. J'en peux plus. J'ai trop galéré pour ce boss, il était horrible. Non, je suis pas comme ça, regardez, je suis normal. Bon, allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Oh, mais c'est le monde du tout premier Mario Galaxy. Et la musique. Oh, c'est souvenir. Triangle, triangle, croix, triangle, croix, triangle, très, 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 point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Oui, j'ai tout compris. Oh, et comment elle s'appelle déjà? Il faut que je retrouve. Elle s'appelle Céleste? Non. Non, non. Elle s'appelle... Je sais plus. Je suis pas un pro en Mario, moi. Ah, elle s'appelle Maman. Non, non, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, si. Non, ça y est, ça m'a perdu. Cerveau, connecte-toi. Tu t'appelles... Harmonie. C'est bien, cerveau, tu m'écoutes de plus en plus rapidement. En plus, elle le dit maintenant. Je suis la gardienne et la protectrice du cosmos. Je vous attendais, mes amis. Ouais, bah moi aussi, tu m'as manqué, hein, parce que... Je t'aimais bien, moi, dans le 1, et je t'ai pas vu de toute l'aventure. Je suis triste. Ce monstre a dérobé le pouvoir des étoiles et nous a séparés, mon cher petit et moi. Mais je savais que nous nous retrouverions. Nous sommes unis par des liens très puissants, plus forts que l'espace et le temps. Même les lois implacables de l'univers ne peuvent les défaire. Et j'étais sûr que cette force finirait par l'emporter. Le désir de retrouver un être cher, oui, c'est cette force irréfrénable. Je connaissais pas ça. Irréfrénable. C'est-à-dire que c'est infrénable, donc tu peux pas freiner et que ça ne t'arrête pas. C'est une force qui ne t'arrête pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort pour déchiffrer les mots. Qui nous a réunis. Nous avons traversé tant d'épreuves avant de pouvoir nous retrouver. Cela n'a rien d'un miracle. J'en suis persuadé. C'est le pouvoir des étoiles qui a rendu tout ça possible. Mario. Merci d'avoir amené mon petit sain et sauf. Je ne t'oublierai jamais. Même lorsque je me transformerai moi-même en étoile. Mais non, tu ne peux pas te transformer en étoile. Non, jamais je ne t'oublierai, Mario. Ta bravoure restera Attendez, mais... Attends. Non, c'est le petit qui me parle ou c'est l'autre, Harmonie? C'est pas grave. Ta bravoure restera gravée dans ma mémoire pour l'éternité. Mais non, c'est vrai, il sait pas parler, le petit. Si? Mais je comprends plus rien. Ma casquette, ou... Rends-moi ma casquette! Harmonie m'a piqué ma casquette! Que les étoiles te protègent! Elle va nous exploser! C'est bon. Ainsi, Harmonie et le jeune étoile Uno sont à nouveau réunis. Oh, Mario!
Oh, qu'est-ce que tu fais là? Et toi aussi, tu as retrouvé ta chère princesse, pas vrai, matelot? Mais qu'est-ce qu'il dit? Très bien, vous deux. Il est temps de retourner sur votre planète. Je veux bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ouais, ben... Sincèrement, je suis déçu du dernier monstre. Ouais, je suis déçu. Il était pas compliqué. Il était pas épique. Il était pas dur. J'ai déjà dit. Parce que j'ai dit qu'il était pas compliqué, non? Je sais plus. Mais bon. Ouais, en fait... les niveaux d'avant que j'ai fait dans le monde étaient... plus difficile que ça en fait. Bon. Shigeru Miyamoto. Le bon vieux Miyamoto. Takashi Tezuka, Yoshiaki Koizumi. Et j'en passe, je ne vais pas tous les faire. Bon, bah voilà quoi. J'ai terminé le jeu, donc je vais vous laisser là-dessus. Ah, oh, j'ai bien fait d'attendre. Ah, parce qu'on peut jouer sur la lune. Et si je tombe? Je vais me suicider. Oh, je peux pas. Oh, vas-y, c'est de la triche. Je peux pas me suicider. En fait, je voulais faire le... Comment ça s'appelle? Le tourbillon, mais j'ai plus l'étoile Uno. Donc, eh ben, je peux plus faire le tourbillon. Mais même, en fait, même le dernier niveau, il était pas épique. Il était un peu compliqué, mais je sais pas, moi. J'ai l'impression qu'ils se sont pas foulés pour la fin. Bon, là, on revient dans un peu tous les mondes, c'est assez sympa, mais... Je sais pas, moi, je me serais attendu déjà à ce qu'il y ait toutes les transformations. Je me serais attendu à ce qu'il y ait pas mal de diversité. Ben, je sais pas, même déjà, les transformations auraient permis ça, mais... plus de trucs recherchés, quoi. Ils nous ont habitués pendant tout le jeu à des trucs super bien pensés. Et là, même si on a Yoshi, ben... on a les nuages, on a la perforeuse, mais... j'ai l'impression qu'il manquait un truc. Moi, quand j'ai commencé la vidéo, je m'attendais à ce que on allait y passer du temps, mais même beaucoup plus de temps que ça. Du coup, j'ai bien fait de faire durer parfois parce que franchement, ben finalement, c'est pas super long. Ou alors, je sais pas, j'ai joué comme un dieu et du coup, j'ai passé super rapidement. Mais vu ma prestation, ça m'étonnerait. Vous avez vu comme j'ai perdu comme une merde des fois. C'était beaucoup plus difficile parfois. Tiens, mini Bowser. Tiens, allez. Ah, mais t'es plus petit, cette fois tu fais moins le malin. Oh, t'es mignon, j'ai presque envie de te prendre dans mes bras et te faire un câlinou. Oh, bah je vais te laisser tranquille, tu sais quoi. Ouais, je sais pas, je suis pas déçu du jeu, mais je suis déçu de la fin. Du niveau final, du monstre final. Bon, l'histoire, j'en ai rien à foutre, mais... parce que bon, il n'y en a pas tellement une, et puis bon, on joue pas à Mario pour ça, mais... bon... ouais. Il manque un truc. Il manquait quelque chose, moi. De la difficulté. Voilà, et bien, je crois que je vais vous laisser là-dessus. For playing my game. Mais de rien, Mario! Et qu'est-ce qui se passe après? Le monde S est désormais accessible? Oh, un autre monde. Fais-moi voir ça, tout de suite. Hein? J'ai vu un truc. Sur le bureau, oui. Bon, c'est pas grave. Je verrai bien.
Allez, c'est bon, vite. Bruit. Ouais. Ouais, je veux voir ce que c'est. Hein, tu es revenu? Enfin, je savais bien que tu reviendrais, petit mousse. Je vois bien, à ta trogne que tu en veux encore. On a des étoiles sur la planche, capitaine. Bah, tant mieux, hein. Peut-être qu'en fait, ce n'était pas la vraie fin. Enfin, si, c'était la fin du scénario, quoi. Peut-être que ce sera un peu plus compliqué par la suite. Bon, ouais, je sais pas. On va aller voir la gueule du monde S, là. Ah, d'accord. Ok. Et il y a quoi dedans? Alors ça, quelle surprise! Ça ne serait pas le fameux monde légendaire dont parlent les marins de l'espace? Il y a sûrement un paquet d'étoiles à dégoter par ici. Allons les chercher, matelots. Cap sur les galaxies. Mario 2D. C'est quoi ça? D'accord, on sait pas. Attendez, mais... Ça, c'est ce que j'avais fait comme... je m'étais lancé un challenge dans... C'était ma deuxième ou troisième vidéo dans Super Mario Galaxy 1. Ramasser des pièces violettes, c'était là-dessus. Est-ce que je le fais? Allez, ben, en petit bonus. Et puis, histoire de se rappeler des bons souvenirs, on va aller se le faire, celui-là. Allez, c'est parti. Ça sent la nostalgie par ici, pas vous? Mario, une étoile au firmament. Mais peut-être que je me trompe. C'est peut-être pas ça, attention. Si, le niveau y ressemble. S'il y a les pièces violettes, alors c'est ça. Je vois pas de pièces violettes. Alors. Excusez-moi. Ouais, bon, d'accord. L'étoile apparaîtra juste ici. Yeah! Cool! Mais quand est-ce qu'elle est là? Ah, si, j'ai compris. C'est les trucs bleus, il faut les actionner. Et après, on reviendra ici quand il y aura les étoiles. Allez, c'est parti, on y va. Alors, hop. On va essayer de pas les retoucher. On va y aller, ouais, comme ça, hop. Non, je suis trop con là. Je devrais pas trop marcher sur les trucs verts pour pouvoir revenir après. Donc je vais essayer de laisser des plaques. Je vais aller la prendre, je vais essayer. Merde, j'aurais pas dû actionner celle-là. Alors, comment je vais faire maintenant? Hop là, ça c'est bon. Voilà, par ici, je pense que ça ira. Ouais, je vais récupérer la vie. J'essaie de pas remarcher sur l'autre. Ah mais non, mais je suis trop con. Il y a des plaques vertes et moi, je sais pas pourquoi, mais je veux marcher... Enfin, je veux pas les toucher. Ok, bon bah là c'est bon, on va vite, hein. Des fois je m'arrête. Merde. Parce que je sais pas, je... Faut que je fasse gaffe pour les plaques vertes de ne pas trop les actionner, quoi. Merde. Là. Alors, là on va y aller avec un saut en longueur. Parfait. Enfin, j'en ai touché une, mais c'est pas grave. Redonne-moi mon fragment, toi. Voilà, merci. Logiquement, c'est bon. Voilà. Alors, j'ai peut-être un peu fait le con au début, parce que regardez, il me manque pas mal de plaques. Alors, ce serait bête de paumer maintenant. Donc là, c'est bon, je peux y aller tranquillement. Alors, comment je vais faire? D'accord. Ok.
Ok, c'est bon. Et ben voilà, j'espère que cette fin de série de vidéos découvertes sur ce Super Mario Galaxy 2 vous aura plu. Je pense pas que je ferai d'autres vidéos dessus, même s'il reste pas mal de petites choses. Parce qu'en fait, je vous ai fait un peu tout ce qu'on pouvait trouver là-dedans. Parfois c'était des défis d'une étoile, ça pouvait être une comète farceuse, ça pouvait être tout simplement un niveau normal, un niveau annexe, la deuxième partie d'un niveau. Donc j'avais pensé, je me disais, oh peut-être que je vais leur faire aussi une fois quand je vais trouver des étoiles vertes, parce que je sais qu'il y en a, ou je sais pas, mais bon, non, moi je trouve que 7 vidéos c'est déjà énorme, c'est déjà trop sur un seul jeu, pour un seul jeu, c'est déjà beaucoup. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo test de celui-ci, après que j'aurai fait celle du premier. Mais ce sera dans assez longtemps, je pense. Mais voilà, pour les vidéos découvertes, je crois qu'on va s'arrêter ici. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, voilà, voilà. Moi, je continuerai mon chemin tout seul. Comme un grand, sans vous. Ok, déjà une comète farceuse, mais non, non, je n'ai pas envie de la faire. Pour moi, ça y est, c'est terminé. Oh, il est joli, le monde. Eh bien, on va se quitter sur cette belle image. Ouais, 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 ok. Merde. Non, retourne dans le vaisseau, s'il te plaît. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, là, là. Voilà. Allez, eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire. Oh waouh, y'a les mouettes qui vont me chier dessus. Ah c'est beau hein. Allez les amis, je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et puis ciao à tous.